Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet spécial US Open, tous les jours de 17h à 17h45 jusqu'à dimanche. Je suis avec Benoît Mélin. Ça va Benoît? Moi ça va. Toi ça va? Et on va saluer Paul Henri. Attends. Alors là, vous allez faire un plan série sur Regardez, en fait, il est en décongélation. Ça va, Polo? Ouais, ça va. Paul-Henri Mathieu, t'es avec nous. Ok, quoi, tu veux que je dise que j'ai pleuré toute la nuit parce que j'ai perdu hier? Alors oui, j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux un peu rouges. C'est hyper naturel. Regarde la caméra tout droit, là, devant. Ils vont avoir peur, ils vont partir. Attends, on dirait Colombo, Peter ouais. Falk. Il a plus qu'un œil. Peut-être que tu es ébloui par Coco, qui est juste en face de toi. Non, ça va, ça, Coco? C'est pas très bien. Ça va. Un peu déçu de la soirée d'hier, mais bon. Oui, mais oui, parce qu'il avait pronostiqué mon fils 3-0. On va évidemment revenir sur les matchs d'hier. Et puis, on parlera aussi forcément, parce que c'est l'actu du jour, les demi-finales dames. Combiné boosté, justement, sur ces demi-finales dames. On vous propose Svitolina, qui remporte au moins un set dans le choc face à Serena Williams, et Andreescu, 2-0 face à Bencic. Et ça, c'est à 4,75 jusqu'au début des matchs. On n'oublie pas non plus la promo, les promos d'ailleurs proposées pendant ce grand chelem américain. US Prophet, 5000 euros à gagner. C'est la préférée de Benoît, celle-là. Ah ouais. Mais j'adore. Et l'affiche est sublime. Oui, c'est surtout que tu as vu 5000. Et puis ensuite, il y a celle à 10 euros. Celle-là m'intéresse. Ouais. Non, c'est bien. Tu places un pari en live d'un montant minimum de 10,19 €. Et on te le rembourse sous forme de pari gratuit de 10 euros s'il est perdant. De toute façon, tous les liens sont mis dans le chat par notre cher modo du jour. Sans plus tarder, direction Flushing. Retour évidemment sur l'élimination. Qu'est-ce qu'il y a? Il coince. Retour sur l'élimination de Gaël Monfils par Berrettini. C'est obligatoire ça? Oui, vous allez le voir d'ailleurs. Le Français est sorti en 5-7, 7-6 au der. Il a eu la main sur ce quart de finale pourtant. Hein. 6-3, 2-0, balle de double break. Il est sorti tout seul du match, Benoît. C'est notre Gaël Monfils. Benoît. Il sait plus quoi dire. tout seul. Tu vas m'énerver. Si, il est. Je vais encore m'énerver. Il a disparu du milieu du deuxième au début du quatrième. Donc ouais, l'humidité est énormément. Presque début du deuxième, parce qu'il gagne 6-3, 2-0, balle de double break. Franchement, Berrettini, il avait une attitude assez moyenne. Alors, on sait qu'il faisait chaud hier, il regardait son clan, il commençait à paniquer. Et c'est Gaël qui l'a remis un peu dedans. Il ne fait pas ce double break. Ensuite, il a balle à nouveau pour breaker, il ne le fait pas. Et ensuite, c'est vrai qu'il s'est éteint, Gaël. Il s'est éteint. Alors, certes, Benoît, il n'est pas d'accord avec moi, mais il faisait vachement chaud. Ah bah si, il faisait chaud. Oui, oui. Non, mais je pense que ça s'est joué dans la tête. Ça s'est joué dans la tête. Et C'est étonnant, ça. Et non, et il a subi ensuite, Gaël. Il a été sur la défensive et petit à petit, Berrettini a pris le dessus. Il voyait que Gaël le laissait revenir et c'est lui qui a pris les commandes. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que... Non, mais s'il avait fait ce double break, franchement... Je pense que le match est plié parce qu'il était dans une spirale négative. Berrettini regardait son clan à chaque fois, il montrait sa tête, il disait que son manche glissait. Il a eu du mal à démarrer. Il était marqué. Peut-être crispé par l'enjeu. Ouais, crispé par l'enjeu, mais Gaël en profitait bien. Mais c'est Gaël qui... C'est dommage. En fait, ce qui est dommage, c'est que c'est Gaël qui l'a un petit peu remis sur les rails. Et ben pour Gaël, la raison principale de sa défaite, c'est son service. On écoute Gaël, mon fils, on l'écoute. Non, n'importe quoi. I don't think I was short in the end. I think I was short for a long time, you know. I think the key today was I served very poorly, you know. My serve was very off, a lot of double foot. Not at all first serve. That's I think the key in the match. So I was battling with that and with my opponent. So it was tough, you know. I just compete as much I could, you know, but it was a big lack of serve today, so I think I cannot get short at the end because I should have served much better to win this match before. Benoît, est-ce vraiment la clé de cette élimination? Mais pas du tout. Mais non. Mais là, on est après le match, oui. D'accord. Donc là, il arrive, bien évidemment, il ne pense qu'à une chose, c'est 6 jeux à 5 dans le cinquième, 30 à, oui. Et là, boum, 5 doubles fautes en 10 minutes. Où il s'assassine, il s'automutile tout seul en faisant n'importe quoi. Parce que, attends, il dit mon service ne fonctionne pas. C'est faux. Sur l'ensemble du match, sa première est passée régulièrement, il n'y a pas de problème. En pourcentage, il est très bon sur ses premières. Sur deuxième, il a été clairement. Juste sur deuxième. Mais pas sur deuxième. C'est parce que sur deuxième. Double. Mais c'est. Mais
Non, 17 doubles. Berrettini a servi moins de première que lui. 17 doubles sur un match en 5 heures, ça ne me dérange pas du tout. Ça, si c'est, ouais, si c'est, 5 beaucoup quand même. Dernière minute. Si c'est disséminé sur les 5, des, ouais, mais sur des moments importants quand même. Mais c'est ça le truc. Tie-break. C'est ça le problème. T'es dans le troisième set, il y a 4-2. Ouais. Break pour Berrettini. Tu dis, bon, OK, il y a un break de retard, c'est pas trop grave. 3 doubles fautes, il fait là. 3 doubles fautes dans ce jeu. 5-2, terminé, il n'y a plus de troisième set. Et on arrive à la fin du cinquième. Le Pepper, c'est son 31e cinquième set de sa carrière. Le Berrettini, c'était le troisième. Tu dis, oh, c'est bon, l'expérience, machin. Et là, tout d'un coup, il tente des secondes qu'il n'a pas tenté depuis le début du match, voire peut-être depuis 10 ans. Le mec, tout d'un coup, il essaye de fracasser sa seconde. Alors que le Berrettini, il se fait dans son short. Tu dis, il faut le faire jouer, simplement le faire jouer pour voir ce que ça va donner. Parce que je peux dire qu'il n'est pas bien, l'Italien. Et il fait n'importe quoi. Il refuse d'aller au combat. Parce qu'il n'est pas allé au combat. Sur l'ensemble du match, il n'est pas allé au combat. 6-3-2-0, balle de 3-0, il y est parce que Berrettini ne met pas une balle dans le court. Le mec, il était... Mais il ne savait pas jouer. Après, il ne savait pas se placer, il ne savait pas quoi faire. Il arrosait dans tous les sens. Il a fait 18 fautes en 40 minutes. C'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de match. Et tout d'un coup, le Gaël, on va renvoyer la balle, hein, puisqu'il fait des fautes. Non ! Tu crois qu'ils font quoi, les autres, quand ils gagnent des tournois de Grand Chelem ? Putain, ils y vont ! Schwartzmann contre Nadal, tu crois qu'il a attendu ? Non ! Mais il a toujours essayé, il a toujours été sur courant alternatif. Ça symbolise toute sa carrière, Il a essayé de se remettre un coup de bouche. Mais pendant 30 minutes. Ouais, mais c'était trop. Mais pourquoi ? Parce que s'il perd le quatrième, il n'y a plus de mon fils. Donc tout d'un coup, il joue comme il aurait dû jouer tout le match. Et à 5-2, il voit que son adversaire au 5-1, il voit que son adversaire se tend, il revient, il rebooste, il recherche le public, et à nouveau à 5 partout, il est à 5 partout, 0-30 quand même. Et à nouveau, il retombe dans ses travers. C'est ça qui est un peu dommage. Quand il était en position de gagner. Mais c'est pas dommage, Jean. Mais bon sang. Ah, dommage. Mais bon sang de nom de toi. Dommage pour lui, quoi. Mais oui, mais c'est dingue quand même. T'as un Liam Neeson. Le plus grave pour moi, surtout. Comment il s'appelle son entraîneur? Attends. Liam Smith. Voilà. Bon, ça fait un an qu'ils sont ensemble. Ça bosse bien. Putain. Tu vois bien que ça bosse bien. Il a des résultats, il est là. Il a été super agressif sur la première partie de la saison. Il fait des résultats de malade. On est là, on se dit, putain, ça y est, c'est le nouveau mon fils. C'est celui qu'on a toujours voulu voir. Le mec qui reste pas non plus dans sa zone de confort, mais qui, de temps en temps, il va au charbon, vient au filet. Il a une couverture au filet qui est extraordinaire. Il a une très bonne main. Il sert bien. Oui, mon gars, vas-y, rentre là-dedans. Bon, OK. Souci, cheville, machin, Roland-Garros, un peu foiré, il s'oublie contre Tim. Ah, merde, encore une fois, il passe à travers contre Tim. Et là, on arrive, on se dit, Berrettini, OK, il va le coincer, Berrettini. Bien sûr qu'il va lui rentrer dans l'air, Berrettini. Bien sûr qu'il va le coincer dans la diagonale revers pour que l'autre ne puisse pas tourner autour de son revers. Ben non, il le fait pas. Il attend, il pousse la baballe. Non, et la seule réaction qu'on a, c'est 30 minutes, le quatrième set. Merde, non. C'est pas, moi, je ne comprends pas ça. Il a 33 balais, il arrive en disant qu'il a des objectifs et qu'il veut vraiment faire des grandes choses. C'est très bien qu'il soit en quart de finale. OK, c'est génial, mais pas contre Berrettini. Qui perd contre Nadal, Federer, en ayant deux balles de match, comme ça a été le cas à l'US Open. Okay, même si je rappelle qu'on ne sous-estime pas non plus le niveau de Matteo. Mais bien sûr que non. Mais on n'a pas vu mon fils comme on aurait dû voir mon fils. Ah ouais. Donc après, il perd, c'est la faute de son service. Non, c'est non, pas la faute de son service. Ça symbolise toute sa carrière. Il a toujours été sur courant alternatif, tu vois ce que je veux dire? Gaël, mon fils. Ah oui, alors, on n'attend plus rien. Non, mais pas. Je ne veux pas prendre sa défense, mais après, la conférence de presse, elle a lieu tout de suite après le match. Forcément, il se réfugie derrière quelque chose. Il a mal servi en fin de match. Il a l'impression que c'est ce qui l'a trahi. C'est ce qui aurait pu faire la différence. Ça ne l'a pas aidé. Il se réfugie derrière quelque chose. Voilà, effectivement, avec du recul, j'imagine bien qu'il se doute qu'il n'a pas fait le match qu'il aurait souhaité, qu'il a laissé revenir son adversaire. Il est intelligent quand même. Il sait ce qu'il a mal fait. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est un petit peu répétitif. Mais le premier déçu, il ne faut pas oublier, c'est quand même lui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il était bien revenu après ce super début de saison. Il était vraiment en forme dans cette US. Il avait l'occasion, effectivement, une occasion, ça ne se présente pas tout le temps, d'aller très loin. Pourquoi il allume des pétards de partout contre Chapovalov, qui va chercher le public, qui est en feu, qui tente des choses, qui est agressif et qui gagne? Et que là, contre Berrettini, tout d'un coup... Alors, déjà dans l'attitude, regarde le body language. On est dans le troisième set. L'autre, il n'est pas bien. Il y a un set partout, OK, mais il n'est pas bien. On voit bien que dans le troisième set, c'est tendu. Forcément, c'est un set qui est très important. Oui, mais Gaël non plus, il n'est pas bien. Mais souvent, on l'a vu s'accroupir. Non, mais en body language. Mais est-ce que tu le montres, ça? Je suis d'accord. Est-ce que Berrettini a montré qu'il était cuit? Il l'a trop montré, Berrettini. Mon fils, encore une fois. Mais c'est ce que j'ai dit. Il l'a trop montré. Il a montré trottine à son adversaire. Il ne faut pas oublier aussi que mon fils contre Chapovalov,
Dans le quatrième, il a le match en main, il a un trou d'air, il laisse revenir et c'est pour ça qu'on mais a un cinquième. Pas, mais c'est pas grave. Il a eu un trou d'air aussi là. Mais il peut avoir des trous d'air quand il fait 32 degrés, qu'à 16 heures, t'es obligé de mettre les projecteurs tellement le temps est pourri, que les spectateurs fondaient dans les tribunes. Bien sûr qu'il a le droit d'avoir un coup de mou, c'est un athlète comme n'importe qui, je peux le comprendre. Mais déjà, un, tu le montres pas, t'es en demi-finale, tu vas jouer une demi-finale de Grand Chelem. Tu crois que les mecs, ils montrent quelque chose? Never! À aucun moment, tu dois montrer à l'autre que peut-être tu commences à caner physiquement, peut-être que tu commences à douter. Non, tu ne dois pas le faire, ça. Pour moi, le service a un peu joué aussi. Pour moi, il y a une faute professionnelle sur le tie-break. Tu sors d'un jeu où déjà, tu remontes, tu étais mené 2-7 à 1, tu égalises à 2-2, tu es en galère. Dans le début du cinquième, tu es breaké, tu reviens, tu es en galère. Tu sauves deux balles de match alors que tu avais fait trois doubles fautes dans ton jeu. Comment tu peux démarrer le premier point du tie-break au service avec une double? Rattraper par attention. Oui, c'est ça, faut pas oublier non plus, tu vois. Mais une deuxième de merde, au pire, tu te fais bourriner au retour, tant pis. Mais au moins, elle est dans le terrain, tu fais pas une double. Et en plus, tu ne te fais pas bourriner. Mais. Attends, c'est pas si simple de faire une deuxième de merde. C'est compliqué. Oh, je sais pas, la seule priorité à ce moment-là, c'est passer la deuxième. Je sais pas, moi, dans ma tête, je me dis. Surtout pas de double. La double faute de Berrettini sur la première balle de match. Allez. Je peux te dire que là, tu vois bien que Berrettini va avoir du mal à finir. Mais il a eu beaucoup de mal à finir. Donc, tu te dis, ok, c'est clair. Fais-le jouer. Est-ce que tu crois que Nadal donne un coup gratuit comme ça sur un moment aussi important? Non, mais attends, attends, je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas prendre Rafa et Roger parce qu'ils sont hors normes. En exemple. Nous tu crois que mon fils n'est pas capable de renvoyer une balle si pour faire jouer l'autre? Pareil. Vavrinka n'est pas capable de servir une première, deuxième pour obliger Berrettini à jouer. Vavrinka, quand il a balle de match, merde. Lui, 95% du temps, il l'efface, il t'envoie des aces et il ne te fait pas une double comme ça. Non, sur sa deuxième, il s'applique, il met une balle qui gêne. Quitte à ce que ce soit pas un service gagnant, il met une balle qui va sortir le joueur, qui va décaler, une balle qui gêne au corps, je ne sais pas, mais il la met dedans. Merci Coco, on va passer. Non, on va se focus sur Berrettini. Coco, il était à fond. Non, mais parce que je voudrais aussi qu'on parle, parce qu'on parle beaucoup de Gaël Monfils, mais on va aussi parler de Berrettini, qui lui a toujours cru, ça a été un vrai guerrier. Même s'il a eu beaucoup de mal à conclure, c'est vrai, il n'a jamais lâché. Et c'est sa fierté sur ce match. Écoutez-le, Matteo Berrettini. I was saying to myself during the match, what you expect for. I mean, you're 23, you just playing your first quarterfinals and you expect that you not get tired. So I was saying to myself, okay, that's normal. Keep going, you know, you're gonna have more chances like I had. But in that moment, if you start to think about, other stuff that are not important, you start to complaining, you start to, I don't know, like thinking negative, then for sure you're gonna lose that match. And that's the thing that I'm most proud of, you know. Non mais ça montre qu'il a fait un effort. Non mais il a fait un énorme travail mental sur le long du match parce que effectivement il a eu ses pensées négatives qui ont apparu, il les a chassées le plus rapidement possible et avoir une telle lucidité. Alors si jeune, certes, il est 23e mondial, premier quart de finale, mais ça montre qu'il a un potentiel encore énorme. Oui, est-ce que tu te rends compte que le mec, j'ai regardé début 2017, il est 435e. Ouais. Début 2018, 135e déjà, plutôt pas mal. Et là, il est 13e. Oui, il incarne totalement le renouveau du tennis italien. Est-ce qu'il peut justement... Non, c'est ça que tu... Il y a qui? Mais il y a Jannik Sinner, je peux dire que celui-là, il va débarquer. Mais oui, d'accord. Il y a plusieurs. Nous étions, allez-y, regardez, c'est excellent. Sonego. Ah non, pardon. Non. Par contre, Cecchinato vient de perdre contre le petit frère de Guillermo Coria en challenger. Il y a cette espèce de folie italienne. Tout ça n'est pas du hasard. C'est-à-dire que quand Cecchinato fait sa demi à Roland-Garros, 2018. Quand Fognini gagne Monte-Carlo, rentre dans le top 10, tout d'un coup, te dis, mais moi aussi, je veux ma part. Moi aussi, je vais montrer que le tennis italien, c'est du truc de... Parce que quand tu vois la photo du Golgoth, 1m96, hein, il bouge bien aussi, celui-là, pour 1m96. À côté de Corrado Baratzuti, qui était le dernier. Oui, exactement. Mais t'as l'impression que l'autre, il va le bouffer, quoi. C'est la crevette à côté, quoi. C'est fou. Et on se rend même pas compte de la puissance de ce gars-là. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour ça qu'il fallait éviter son coup droit à ce mec-là. Parce qu'il la casse, la balle. Il la frappe pas, il la casse. Et au service, on a encore 4 heures de match, plus de 200 km/h en moyenne sur la première balle de service. Alors, il n'en a pas passé énormément comparativement à ce qu'il avait fait jusqu'à présent, parce que le bras était lourd, il y avait la pression et tout ça. Mais le mec, il y va.
il y va, il cogne. Alors, je le trouve très, très faiblement en revers, parce qu'il ne tient pas du tout la diagonale revers. Dès qu'il doit recouvrir son revers, c'est encore, il est en confiance. Ouais, ouais. Et encore, il est en confiance. Donc, c'est je slice. Ouais. Mais bon, là, je peux dire que contre Rafa... Ouais. Et il a raison, Buvikash, en parlant du tennis italien. Zepieri aussi, c'est un petit jeune à surveiller. Ah, oui, voilà. Et entre 100 et 200, ils sont nombreux. Ouais. Mais un paquet. Et du gamin, attention, ça va faire très très mal. Exactement. Allez. Tant mieux, génial. Tant mieux. Vous parliez de Berrettini contre Rafael Nadal. Évidemment, vous parlerez de tout ça demain ensemble. Nadal qui a renversé, comme prévu, on l'avait annoncé ça, hein, Diego Schwartzman. Ça s'est pas fait comme ça. Eh bien non, oui, il a eu besoin de 3-7, mais c'est vrai que le score est sévère parce qu'il a été bousculé par moment par Diego Schwartzman. Alors ça, c'est la défense incroyable... de Diego Schwartzman. Là, il est point 1. Et là attends, je sais pas si on va voir le plan. Tu as le clan de Nadal debout. Ouais. Le clan de Nadal est debout sur ce point en train d'aplantir Diego. Et là, on entend tout le public. Diego. C'était mais une folie ce truc. C'est vrai que c'était un très très beau match. Hein, Diego Schwartzman qui a tout donné. Nadal qui a fait appel au kiné dans le troisième face à... Mais tu vois... Il s'est fait manipuler le bras gauche et le droit, mais apparemment, il a eu des crampes. Mais c'est là que tu te rends compte. Ouais. Alors, on ne peut pas parler de Djoko, Nadal, Federer, est-ce qu'ils sont au-dessus du lot? Pas du tout. Le Nadal, il flippe sa race. Parce que quand il joue Diego Schwartzman, je peux dire qu'il n'est pas bien. Parce que déjà, il se souvient qu'à Roland, ça avait été un peu chaud patate, l'histoire. Et là, tout d'un coup, l'autre, il mène tranquille 4-0 dans le premier set. C'est bon, c'est plié. Il égalise. Le Diego, il y a pas. L'autre, il a effacé deux doubles. Et tu te rends compte que le Nadal voulait tellement lifter pour que la balle passe au-dessus de l'épaule de Schwartzman qu'il n'y avait plus de puissance dans sa frappe. Il jouait trop court. Hein. Ouais. Trop, c'était dingue. Ouais. Alors qu'à un moment ou à un autre, tu dis, mais vas-y, lâche tes pieds. Tu vas le faire reculer. Et après, tu as tous les angles ouverts. Et en plus, tu peux pas faire des balles courtes contre Schwartzman. Il joue court croisé dans tous les sens. Donc, il était en train de se faire un flip monumental. C'est moi. Excusez-moi. Il était en train de se faire un flip monumental, le Nadal. Ouais. Pourquoi il crampe? Parce qu'il flippe. Souvenez-vous. Oh, l'humidité aussi. Hein. Tim à Roland Garros. Non, mais les deux. Tim à Roland Garros, il y a deux ans, tu croyais qu'il y avait de l'humidité. Pareil. Il y a de la crispation, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Mais le mec, il va au-delà. Et il réussit à battre le Schwartzman. Non, mais ce qui est dingue, tu l'as dit, 4-0 premier, 5-1, oui, deuxième, oui, 15, pareil. 5. Oui, c'est le deuxième. Il n'y a pas de tension, quand même, il met 6-1, bon, après, 6-0, 6-1, 6-2. Il ne lui prend pas un 7 non plus, Schwartzman, tu vois. Non, il ne prend pas un 7. Il a à conclure la paire en 3-7. Non, mais c'est vrai qu'après, sur dur, voilà, quand il se fait manipuler par le kiné, sur dur, physiquement, la question est récurrente concernant Rafa. Non, mais sur dur, il a juste parlé de crampes. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Je pense qu'il n'a aucune douleur, moi. Mais encore une fois, putain, il faut qu'on pense que ces mecs-là, ils sont comme ça. Mais bien sûr, parce que ça m'énerve, parce que tu vois, on dit toujours, là, tout le monde dit, de toute façon, Nadal, c'est bon, c'est fini, le tournoi, il va gagner. Mais le mec, il flippe, comme tout le monde, parce que lui, comme tous, quand il voit que Djokovic et Federer sont plus là, bah, c'est évident, il y a que Nadal qui peut gagner, quoi. Mais ça fait rien. Mais t'y penses quand même. Et Federer, il fait les 4 demi des 4 derniers tours. Federer l'a dit, quand tu sais que les deux autres sont plus là, tu te mets une pression de dingue parce que tu dis « Ok, bah, c'est pour moi ». C'est obligatoire. Oui, mais ils pensent comme tout le monde. Après, justement, ils ont une force de travail mental qui leur permet de verrouiller tout ça pour pouvoir jouer. Parce que je vais te dire, en face, il y a quand même de l'inexpérimenté à ce stade de la compétition. Berrettini, Dimitrov, Medvedev, lui, il en a fait, tu vois. Niveau expérience, il sera largement au-dessus. Ah, en demi? Oui. J'ai compté ça. C'est sa 33e demi, en gros. Tu vois. Donc, je veux bien entendre qu'il ait peur, mais voilà. Non, face en plus, à en demi, là, il n'y a qu'une journée de récupération. Ouais. Berrettini, forcément, il a laissé des plumes, que ce soit physique ou mental. Ah, je ne vois pas Rafa perdre. Et il n'a pas de jour de repos, contrairement à Medvedev et Dimitrov. Là, ils enchaînent. Il n'a pas gagné le tournoi encore, Rafa. C'est pas fini. Non, il n'a pas encore gagné, mais il s'en approche. Comme ça, j'aurais bon à mes pronostics. Ah bah, comme les trois autres. Quoi ? Comme les trois autres. Non, mais comme tu l'as dit, déjà... Non, mais bon... Déjà que tu mettes Nadal vainqueur, c'était pas évident au départ, loin de là. Ouais. Vu que, bon, à part le tournoi de Montréal, pas trop de repères. Et tu te rends compte que, comme tu l'as dit, là, on n'a pas entendu parce qu'on parlait tous sur toi, mais il est en demi sur les quatre, cette année. Ouais. Et donc, tu dis, oh, bah ouais, de toute façon, ces mecs-là, ils sont toujours en demi. Non. La dernière fois qu'il le fait, c'est en 2008. 2008. Donc, c'est 11 ans. C'est respect total. Et ouais. Respect total. Le mec, il est le mec, d'une régularité. C'est non, mais attention, effectivement, il y a l'US qui trotte dans sa tête. Mais je vois bien, il y a toujours cette place du numéro 1 qui trotte dans sa tête. Et le 19e. Non, mais après, là, ils sont, tu vois, ils s'observent, bien évidemment, parce que Nadal sait que Djokovic est touché, apparemment, à
l'épaule. Donc Djokovic revient quand? Apparemment Djokovic, enfin, c'est pas apparemment, c'est officiel, il revient à Shanghai. Donc il va jouer Shanghai, il va jouer Bercy, il va jouer le Masters. Ok, Federer, je sais pas trop, hein. Il fait la Lever Cup, il va faire Shanghai, balle sur. Après Bercy, on sait pas. Peut-être Masters. Bien. Nadal, qu'est-ce qu'il va faire? Nadal doit faire attention, c'est toujours. C'est ce qu'il fait sur terre battue, lui coûte cher. Donc, il faut qu'il fasse attention. Forcément, il y a cette place de numéro 1, là. Ça a l'air de rien, mais c'est là. Si jamais Djoko se foire, c'est-à-dire, il gagne Shanghai, il fait finale à Bercy et il fait finale au Masters. Donc, à un moment, les autres se disent, mais attends, hé, hey, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mm-hmm. Imagine que Federer finisse l'année numéro 1 mondial à 38 balais, mais là... Mais Nadal se dit, moi, je vais peut-être revenir à 19 tournois et grands chelems. Ah, c'est ça. 20 Federer, et je peux devenir numéro 1 mondial à la fin de l'année, alors que tout le monde est déjà enterré parce que j'avais plus de genoux. Ah, c'est pas ça, non, il y a beaucoup C'est dingue. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce Mais point. C'est mythique, mais on se rend même pas compte de ce qu'on vit. Ah oh, si. C'est dingue. C'est dingue, et nous ce qui est dingue, c'est qu'on va jouer tout de suite. C'est l'heure du quiz Headshot. Et Nathan sur YouTube nous dit, s'il vous plaît, question sérieuse. Voyez-vous Svitolina qui était Serena? Mon cher Nathan, nous allons parler des femmes, évidemment, juste après ce quiz, juste après avoir distribué quelques euros dans le chat. Des free bets à distribuer, les amis, point d'exclamation quiz. Team PHM, Team Benoît, Team Coco. Ça va être tout de suite. Et on peut jouer que sur Winamax, les amis, sur YouTube. Pas facile, ce quiz, forcément. Oh, voilà. C'est sur... Ah non, si facile. Non. Oh. Oh, c'est bientôt fini. Allez, vas-y. Combien de matchs en 5-7 depuis les 16e de finale? 7. 4. Non. 3. Oui, 3. Attends, non, mais tu sais pourquoi Totalement je dis ça? Totalement par hasard. Depuis les 16e... Non, mais attends. J'avais dit ça d'une décontraction. Regarde, non, mais attends, c'est fils, honteux. Mon fils Chapovalov, mon ouais. fils Berrettini et Federer Dimitrov. Mais c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est pour ça. Ouais, mais tu m'écoutes et je donne la bonne réponse. Bon, j'étais à 4. Combien de tie-break en quart de finale ont été joués? Où ça? Partout? Chez les hommes, pardon. Les hommes, sur tous les matchs? Deux. Chez les hommes, en quart de finale. Quart, deux, oui. Vavrinka Medvedev, le premier set, et Berrettini, mon fils, oui. Le cinquième. Et puis au hasard aussi. Oh, mais non, mais attends, moi, je pense avoir à faire à deux experts, mais c'est du hasard. Non, mais t'es dingue ou quoi? On dort 2 heures par jour. Quoi, ces questions? Mais regarde les yeux que j'ai, je ne dors plus, moi. Arrête, il n'y a plus personne qui dort dans cette salle-là, donc voilà. Marie, elle a cru qu'on travaillait chez Opta. Allez, vous qu'on faisait les stats. Vas-y. Combien de têtes de série hommes sont tombées au premier tour sur les 32? Mais t'es dingue. 8. Non. 7. 5. Non. 9. 6. Oui. Ouais, j'essaie. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, on a Tim, Tsitsipas, Kachanov, Bautista, Fonini, Auger Aliassime, Pella, Fritz Edmund. Il l'avait, hein? T'es pas mal en mode décongélation. Non, mais il est pas mal en stats. Il est pas mal en stats. Qui élimine Edmund au premier tour? Andurra. Oui. Oh, oh là là. Mais ouais, mais je suis con. En 4 ça fait combien là? En 4 heures. 3. 3. En 4 heures et demie, 3, en 5, 1, 7. 3, 1, 0. Tu vois, pas mal. On a eu deux Allemands en 8e cette année. Ouais. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 2 ans. Qui étaient les deux Allemands? Kohlschreiber et Zverev. Zverev. Quel Zverev? Alexander. Mais non, non. Bah, Micha, non. Micha, ouais. Micha Zverev. C'est cool. Ouais, Micha et Kohlschreiber. Ouais, surprise. Eh, mais en fait, je me souviens même plus de la question. C'était quoi la question? D'accord. Bonjour Benoît. Mais non, mais Micha, je à un moment, je me dis, mais donc attends. Non, mais c'est quand t'as dit Micha Zverev. Donnez-lui une couette, il voudrait dormir. Là. Non, mais quand t'as dit Micha Zverev, je me dis, mais de quoi il parle? C'était quoi la question? 2017, il y a eu deux Allemands. Cette année, il y a deux. C'était la question? On a eu deux Allemands en 8e cette année. Ouais. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 2 ans. Ok, d'accord. Ok, qui étaient les deux Allemands? Et j'avais pas entendu. Non, mais parce que Micha Zverev, ça m'a fait rire de le ouais. voir ouais, en 8e il y a 2 ans. Oui, c'est pour 2 fois. Oui. Voilà. Bah, Alexander, j'avais jamais fait mieux que 16e avant. 4-1-0. La dernière. Qui est la tête de série 31 chez les hommes cette année? 31. On se souvient, je crois que 32, c'est Verdasco, il me semble. Alors, 31. Strouf? Non. Vous n'avez pas? De mineurs? Non. Non. Mais il a joué contre des mineurs. Ah, donc forcément au troisième tour. Il a joué contre des mineurs. Au troisième tour, il a joué qui, des mineurs? Garine! Ah, voilà. Bon, 20 € pour la team Paul-Henri, 5 € pour la team Benoît. C'est la fin de semaine, hein, pardonnez-le. Et Coco, 0 pour Coco. Ah. Et il pourra peut-être se rattraper au ping-pong. T'as vu le quiz? Moi, je joue pas au hasard. Réponds que si je connais la réponse. Mais c'est pas du tout. Allez, on y va, Nathan. Là, je sais que tu les réclames. On y va, chez les femmes, demi-finale. Pourquoi?
Non, mais t'es dingue. T'avais ton pigeon, là. Non, non, non. Non. Travailler chez Opta. Tu peux pas nous faire ça. Non, tu... Non, tu... Paul-Henri les avait. Non, mais oui. Mais il est décongelé. C'est facile. Attends. Je les avais, mais parce qu'il a dit des chiffres au hasard. Bah, à chaque fois, c'est au hasard. Ah oui, au hasard, trois fois. Bon, les filles, les filles. Un jour, j'aimerais voir Marie à notre place avec ses quiz. Oui. Ah non, non. Avec les réponses sous les yeux. On devrait lui faire un quiz. L'heure est grave. On dispute donc les demi-finales dames. Aujourd'hui, on le disait, et tout le monde nous attend sur YouTube ou sur le chat vos avis sur ces demi-finales dames. Serena Williams est évidemment l'immense favorite de ce dernier carré. Mais avant une potentielle finale, il y a d'abord l'obstacle Elina Svitolina. Juste avant, hein, ce sera la 38e demi-finale de Grand Chelem de Serena Williams. 38e hein. Ouais. Et son adversaire du soir, deuxième demi de majeur après Wimbledon il y a deux mois, on s'en souvient. Donc niveau expérience, voilà où on en est. Défi immense pour Svitolina. Est-ce qu'elle peut renverser Serena Williams? Bah, de toute façon, le seul adversaire de Serena Williams, c'est Serena Williams. Hein. Si elle joue, il n'y a personne en face. Hein. La question ne se pose pas. Ouais. Non, mais en plus, Svitolina n'a pas de puissance, n'a pas de coup gagnant. Ouais. Elle ne fait que pousser l'autre à la faute. Est-ce que Serena peut s'en mêler les pinceaux, comme elle l'a souvent fait, au moment d'arriver au bout? Non, oui. En demi. En demi. Mais en finale, oui, mais en demi, non. En demi, en ça demi. M'a l'air compliqué. Non, mais surtout, même si elle a gagné facilement un match précédent, mais ça a boosté sa confiance. Honnêtement, depuis le début du tournoi, on trouve qu'elle bouge de mieux en mieux. Honnêtement, je la vois mal se trouver là en demi. T'imagines à la limite en finale, mais en demi, non, j'ai du mal y croire. T'imagines le premier set qu'a dû faire McNally pour lui mettre 7-5. On se rend même plus compte de ce qu'a fait McNally dans la première manche, parce qu'elle jouait hein, à la Serena. Donc là, alors, ok, Svito a passé un cap, comme tu l'as dit, demi-Wim, demi-Sim. Ouais, puis elle sort quand même Venus Williams, Madison Keys. Et surtout, en battant Keys, c'est la première. Pas perdu moindre set. Pas perdu un set. Ce qui est fou, c'est qu'en battant Keys, c'est la première fois qu'elle bat une top 10 dans un grand chelem. C'est ça, exactement. C'est fou, quoi. Donc tout est surboosté du côté de Svitolina. C'est très bien. Sauf que c'est pas une joueuse qui est là pour faire mal à Serena. Elle est là pour tenir et si possible, pousser à la faute la Serena Williams. Elle peut le faire. Elle peut, mais tu m'aurais dit ça il y a 6-7 mois. Je t'aurais dit, peut-être il peut y avoir 3-7. Là, le physique, on parle du physique de Golgot de Berrettini. Ouais, mais tu sais que je peux dire que la Serena, j'ai rarement vu affûter comme ça. Elle bouge super bien. Apparemment, je ne sais pas ce qu'a fait Gilles Daubinet, le médecin des équipes de France. Et c'est lui qui lui a, après Roland Garros, qui a apparemment lui a trouvé le problème qu'elle avait au genou. Depuis, elle cavale comme Bambi, là. Donc, j'avoue que pour moi, une fois qu'elle est lancée, c'est ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, je ne peux pas imaginer un 6-1, 6-0 en 44 minutes. Non. Parce qu'il y a un niveau. De couverture défensive de Svitolina qui est assez impressionnante. Mais il lui manque un coup, quoi. Et puis au service, ça va se faire défoncer. Il faut qu'elle passe un maximum de premières. Et après, aussi, le point qu'on n'a pas parlé, Gaël a perdu. Ah, ça joue. Oui, mais bon, il va falloir sauver l'honneur de... Non, mais elle a passé du temps. Hein. Alors, ils ont l'habitude de surtout pas trop donner, justement, en énergie comme ça. Mais forcément, la fin du match... Tu vois, en Coupe Davis, pourquoi tu les dégages du banc, les mecs? Il faut pas qu'ils restent. Eh oui. Parce que ça te prend un influx nerveux. C'est fou. C'est vrai? Ouais, et surtout là, quand ils sont en couple, forcément, t'attaches encore plus d'importance. Forcément, ça t'atteint, quoi. Même si tu te lèves pas en train d'applaudir à tous les points. Elle y est. Mais forcément, ça te prend du jus, c'est sûr. Elle était là, tu voyais bien dans son regard que la nana, elle vivait le match, quoi. Et donc, c'est quand même 24 heures après, elle est sur le court. Et pas contre. Une petite joueuse. C'est des matchs qui sont plus courts, quand même. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais bon. Coco nous a acheté le 2-0 à 1,78 pour sa première demi en majeur, deuxième d'ailleurs après Wimb. J'ai du mal à croire que Svitolina se fasse balayer en 2-7. Bah, moi, je mets ce que Benoît a dit. Benoît a dit... Tu vois un petit 3-7? Il y a 6 mois, j'aurais bien dit 3-7, mais là, impossible. Moi, je vois 2-7. Il ne dit pas 6-1, 6-2, mais 6-4, 6-3. Attends, mais Svitolina, il faut se rendre compte que quand elle bat Jastremska en moins d'une heure, tu te dis, oh la vache, non, quand même, Jastremska, tapait. Hein. Sauf que Jastremska, elle a arrosé Manhattan. Elle a arrosé Manhattan, qui est quand même assez loin. Et Svitolina, là-dedans, elle n'a pas eu besoin de jouer. Elle a fait 7 coups gagnants. Ouais. 7 coups gagnants. Attention, après, tout dépend du début de match. Si Serena commence à un peu arroser aussi, elle peut arroser aussi. Hein, ah, mais bien sûr. Bien sûr si elle arrose, Svitolina, elle ne va pas faire une faute. Hein. Elle va la faire arroser. Ah, oui, non, mais de toute façon, ça ne. Comme on l'a dit au début. Oui, ça va dépendre de Serena. Ouais. Serena. Ça va dépendre beaucoup. Sauf que là, je ne vois pas du tout Serena calée. Mais pas du tout. On verra en finale. Mais en demi, j'y crois pas du tout. Moi non plus. Donc le 2-0 pour Coco et Benoît, c'est ça? Et moi, je vais sur J'en ai bien peur.
J'en ai bien peur. Eh bien, moi, je suis... Tu peux me mettre le 2-1, s'il te plaît, Serena Williams, parce que ça suit aussi pas mal dans le chat sur YouTube. Ça va aussi sur le 3-7 pour Serena Williams. Et je vais peut-être même vous dire un secret. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous dire un secret. Pour vous rendre compte à quel point elle est... C'est rare en général, hein, mais elle est très, très confiante. Elle a demandé à Patrick Mouratoglou de faire venir le cadreur qui bosse à l'académie de Patrick Mouratoglou au début du tournoi, en disant « Viens, on va faire un film pour immortaliser. » Quoi ? Devinez. Le 24e titre. Donc ça veut dire que là, la fille, non, mais... elle est en mode... Ouais, non, après, elle a une confiance en elle qui est énorme, c'est sûr. Mais effectivement, si elle demande ça, c'est qu'elle elle se sent plutôt pas mal. Ah ouais, ouais. Non, mais j'imagine qu'elle ne l'a pas demandé à Roland. Les derniers grands chelems, ouais, coin, c'est tout le temps en finale. Donc c'est surtout la finale qu'il faudra voir. Et attention, attention en finale. Parce le que seul, je pense que le seul problème, peut-être, c'est qu'elle se gaufre avec son espèce d'impair dégueulasse avec lequel elle rentre sur le couloir et qu'elle s'emmêle les pinceaux dans la ceinture et là, boum, elle se fracasse les canines sur le ciment. Voilà, c'est le seul problème. Ouais. Et attention, parce qu'en finale, il faudra peut-être se méfier d'Andreescu ou de Bencic. Hein. 22 ans, Andreescu, 19 ans, c'est compliqué de trouver un meilleur bilan. Ouais, j'ai vu, c'est génial. Et El Mounegascu, si Svitolina gagne un set, je mange un rat. Ah bah écoute, dit, alors là... On va quand même noter son nom. Ah ouais. Non mais on veut la vidéo surtout. Ah non, en fait, quelle horreur, s'il vous plaît, El Mounegascu, là, si jamais Svitolina gagne un set, il mange un rat. Excellent, nous diffuserons ça évidemment sur Winamax TV. On va parler de Andreescu Bencic. Compliqué de trouver un meilleur bilan que la Canadienne de 19 ans en 2019. Qualif incluse, elle a remporté 43 des 47 matchs qu'elle a disputés depuis le début d'année. Ça fait... 91% de victoire. C'est digne d'une grande Serena Williams dans les grandes années. Ouais. En plus. Elle est au sommet de sa forme, hein, en pleine confiance. Bencic va devoir sortir un énorme match pour stopper. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que Bencic a 22 ans, alors que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je la vois. Bah, 17 ans, elle a fait 40 US. 17 ans, ouais, c'est ça. Elle a arrivé 19, à 14, 15 ans. Il y a 10 ans, hein, c'était en 2014. Oui, c'est ça. Elle était toute jeune. 5 ans, ouais. À 19, elle intègre le top 10. Elle était déjà là, tu vois. Après, les blessures sont arrivées, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des années qu'elle est là. Et elle a que 22 ans. Mais déjà plus d'expérience qu'Andreescu, 19 ans. Oui, mais elle a morflé, de toute façon, tout le temps. Oui. Physiquement, tu te rends compte que... Ce sont des physiques lourds qu'elles ont toutes les deux. Donc, on ne se rend pas compte, mais là, quand tu joues dans ces conditions-là, ça morfle. Bencic, ça a été plutôt le bas du corps. Andreescu, ça a été le haut du corps. Andreescu, je pense qu'elle a un avantage énorme. C'est que le fait qu'elle se blesse à l'épaule comme ça, elle n'a pas pu travailler certainement le haut du corps, mais elle a certainement dû travailler le bas. Et donc, quand je la vois là, se balader sur le court, ouais, elle bouge. La vache, elle bouge. Ouais, t'as raison, elle bouge. Hier, elle est ultra mobile. Ouais. Qu'elle est rapide. Et elle est fraîche. Elle est forcément. Mais Bubikash nous dit elle a eu du mal, Andreescu, à rentrer dans son match hier. Bien sûr, elle a flippé. Ouais, elle était tendue. Moi, je trouve que c'est plus Mertens qui a trouvé un style de jeu qui l'a gêné vraiment et Andreescu qui s'est adapté au cours du match dans le deuxième en changeant son jeu. Non, t'as raison, Mertens. Mais Mertens, c'est très embêtant à jouer. Ouais, avec son service tout. Andreescu a une capacité à s'adapter au jeu des adversaires sur chaque match. Elle trouve en plein match la solution. Dès qu'elle est gênée, elle trouve la solution. Et mentalement, c'est hallucinant comment elle est forte. Oui, mais tu vois, ce que je trouve du côté d'Andreescu, c'est que le fait qu'elle n'ait pas pu jouer, tu vois, de fin mars à début août, ça veut dire que c'est quand même 4 mois où elle ne joue pas. Elle s'entraîne, elle a faim, elle veut revenir, elle a 19 balais, elle a gagné Indian Wells, elle est en feu, quoi, tu vois, la fille. Et là, elle revient, elle gagne Toronto, elle a 19 balais, elle est en 2000 US Open. La fin de la saison, mais je veux voir la fin de la saison d'Andreescu, quoi. La fille, tout pareil, elle est numéro 1 mondial. Thibaut nous dit, Andreescu, c'est la future numéro 1 mondial. Mais quand tu joues pas, effectivement, il a raison. Quand tu joues pas comme ça pendant un moment, tu reviens, tu gagnes tout de suite, mais t'as une fin, t'as l'impression que rien ne peut t'arrêter. Alors, effectivement, je pense. Alors, j'aime bien Bencic, j'aime bien son jeu, parce que je la trouve très talentueuse. Elle a vécu vraiment des péripéties, et je la trouve très forte. Mais je trouve qu'Andreescu, je pense qu'elle va être numéro 1 un jour. Elle va en gagner des grands. Alors, après beaucoup. On parle beaucoup de Andreescu qui n'a pas perdu contre une top 10 depuis le début de la saison, cette victoire. Combien on est à 44 victoires sur dur pour 4 défaites ou un truc comme ça. Elle a 4 défaites dont un abandon de toute surface confondue. Un truc de dingue. Et puis on est Andreescu, parce que c'est vrai que c'est la pépite, le truc extra. Mais il ne faut pas oublier que la Bencic, si tu regardes un peu, parce qu'à un moment où j'ai regardé, c'est elle qui possède le record
de victoires sur le top 10, top 10 cette oui. saison. Ouais. C'est pas Andreescu. Exact. Alors, bien sûr, oh, elle n'a pas joué pendant 4 mois, Andreescu. Hein. Elle en a 9. Ouais. Mais elle en fait en 2 tournois. Là, et surtout, tu regardes après, depuis juillet 1914, donc quand elle arrive au plus haut niveau, elle a joué 17 fois 1914. T'es sûr? S'il vous plaît, non, amenez-lui un oreiller, s'il vous plaît. Il est très fatigué, le Benoît. Qu'est-ce en pleine guerre mondiale. Avec, elle jouait contre, on était tous là. Elle jouait contre Suzanne Lenglet quand elle jouait contre Suzanne Lenglet. Elle est dans les tranchées. Depuis les tranchées. Depuis juillet 2014, bande de nazes. C'était évident. Hein bon, enfin voilà. Donc depuis juillet 2014, ouais. elle a joué 17 fois contre des top 5. 17 fois contre des top 5. Combien de victoires? Over 17 15. Fois contre des... Over 15. 13. C'est monumental. C'est-à-dire que la fille... Vas-y, mets-moi du top, là. Mets-moi du top. Mais c'est ce qu'elle disait dans son interview d'après-match, en fait, qu'elle adore jouer sur les grands événements et sur les grands cours. Elle, ça ne l'inhibe pas du tout. Elle adore ça et c'est ce qui la stimule. Et c'est intéressant parce que ça montre... Enfin, c'est la force des grands et des grandes. Parce vrai. Que le premier set d'Andreescu, pour moi, c'est la faille qui peut permettre à Bencic, qui, elle, a été très solide dans le premier set contre Vekic pour le gagner ouais. au tie-break. C'est peut-être le truc qui peut lui permettre de gagner un set. Je ne la vois pas gagner. Bencic fait une très grosse saison. Elle est quand même dans le top 10, ouais, etc. Ouais. Moi, je trouve que le petit match de Open Cup, enfin le petit tournoi de Open Cup avec Federer en début de saison, l'a bien lancé pour cette année. Même si, bon, la Open. Mais ça joue. Ils ont beaucoup joué avec Federer, quand c'est même. Bien. Mais t'as que ça, là, comme. Mais stat, non, là mais là, t'as vu, il discute trop, il fait plus son travail de cote. Parce que ça, c'est inintéressant, ça. Eh oui. Andreescu 2-0, Andreescu 2-1, si tu veux. Ouais, Andreescu 2-1. S'il te plaît. 3-4-1. J'irais bien mieux. 3-7. Depuis que tu passes des cotes à 6, toi, tu. Hein qui? Toi? Ah oui, oui, sur le mon fils. Ah ouais, je sais. Ouais. Bon. Il a passé quelle cote à 6? Mais c'est hier, à 5-7. Hein. C'est mon coup de non, il a dit 3-7-1. Et bah ouais. Bah, il y a eu 3-7 ouais. à 2. Ah bah ouais, ouais. Moi, j'avais dit 3-7-1. Ah, je pensais qu'il y a dit 5-7. Ah, mais je sais pas, j'en sais rien. Ah, donc, non, il a du tout, alors. Je sais pas, eh, 3-7-1. Et je sais même pas comment ça marche, vos trucs, là. Oh bah, t'es sérieux? Ça fait un temps que t'es là. Non, il plaisante. Ah, moi, je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, 3,3? Allez, arrête de faire exprès. Du coup, Andreescu, Bencic. Andreescu, qui assure Andreescu 2-0? Ah non, 2-0, non. Ah, personne n'y va. C'est marrant, d'accord. Hein, personne n'y va, alors que dans le chat, eux, ils partent plus sur le Andreescu. Il y a la faille, il y a la faille du ouais. coup. Ouais. Andreescu 2-1, Andreescu 2-1. Ouais, tout le monde y va. Tout le monde y va, Andreescu 2-1, on est d'accord. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas... Non, c'est pas Andreescu, c'est Andreescu, c'est une Canadienne. Non, Zaïd 83, c'est pas une Canadienne, elle est d'origine roumaine. Ouais, exactement. C'est une Roumaine naturalisée canadienne, comme voilà. Félix... Et je peux te dire que, vu qu'elle bosse, depuis qu'elle a 13 balais, en fait, sa mère l'a amenée dans le côté yoga, le bol chinois. Zen, quoi. Je me ressens sur moi-même. C'est pas mal, ça. Et elle fait ça, elle faisait ça tous les jours. Bon, à un moment, sa mère lui dit, calme-toi, là, tu pars dans un autre monde. Tu vas te marier avec Pépé Imaz. Ouais, fais gaffe. C'est marrant ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a fait venir Pépé? Fais gaffe. Là. Et surtout, t'approches pas de ce taré. Donc, fais ça, mais moins régulièrement. Et donc, elle le fait, régulièrement, mais plus tous les jours. Et il paraît que, justement, elle a cette capacité à... rentrer à l'intérieur d'elle-même qui est dingo. Et c'est peut-être pour ça qu'elle veut dire à l'intérieur des arbres. Oui. Qui m'a fait peur. Non, pas encore. Elle embrasse les arbres. Pas encore. En fait, c'est la chamane du circuit. La Bianca. Nous, on espère être aussi influents sur la cote boostée, le combo boosté. Est-ce qu'on aura autant de pouvoir? Svitolina remporte au moins 7. On y croit? Non. Pas tous. Andreescu, 2-0. Non. On y croit pas tous. C'est Bobby, la cote boostée. Comment on vient de se faire casser? Vraiment, on y croit pas. C'est bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, de toute façon. C'est sur l'onglet Code Boosté sur Winamax TV. Tous les matchs sont et les mecs, c'était quoi sur Winamax TV. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de match demain. Pas aujourd'hui. C'est demain. On est en quelle année déjà? 1914. Ah, on est d'accord. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins un match masculin, mais dans son filet. Yeah, à regarder, évidemment, gratuitement. C'est parti, c'est maintenant tie break. On a
match de en fait, voilà. Non, non, là, non, non, alors Coco, tu te calmes. C'est moi qui décide les côtés et on va tout de suite voir de quel côté vous êtes. Oh. Parce que voilà. C'est en fonction des cotes. J'ai été sympa, arrête donc. Ah, je suis là-bas. En fait, quand tu perds, c'est la punition. Tu joues pas le lendemain, je suis énervé là, de ne pas jouer. Et tes yeux, ça va mieux. Bonne exclamation quiz, Team Benoît. Oh, t'as encore un carnet. 10 euros par bonne réponse. Ah non, c'est Eurosport. Ah, tu veux un carnet de Wim, de l'US, de Roland, tu veux tout. Tu m'as donné ce Wim, t'aurais pas un. Mais viens faire les cartons chez moi. De 25, il y a value. 20 euros si Coco s'impose, 15 euros si Benoît s'impose. 10 euros virtuels à placer, les amis, sur Winamax. Benoît, tu as consommé. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais j'ai besoin de recul. Tu vas jouer comme Gaël ou... J'ai besoin de recul. Un café. Coco, c'est bon, tu es concentré? Je te trouve très dissipé aujourd'hui. Vas-y. T'es mou. Non. Allez, Coco, c'est parti. Petite balle de chauffe. Non. Mais j'ai pas joué depuis une plombe, moi. Oh là là, l'excuse déjà. Mais on est. Ah, on n'est pas prêt là, il y a le temps, Allez, on y va, c'est parti. Let's go. Ça commence bien, moi j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Avec le doigt. La paix. Oh, le niveau que t'as là! Il frappe fort en fait. Oh, mais toutes les bandes! 4-0, 4-0. Qu'est-ce que t'as pété toi? Mon micro. Non! 4-0. Attends, je suis déconcentré. Mais arrête! On m'entend c'était pas plus. Les balles de chauffe. On m'entend plus. C'est vrai? C'est bon. 4-0. Oh. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Craquage physique, je sais pas ce que t'as fait. Mentalement. Oh non! Nul! Craquage pour toi nul. Aussi! Franchement, t'as nul! T'as trop parlé! À combien on est? Trop d'humidité! J'ai pas vu. Oh là là! Victoire de la team Benoît, encore 15 euros pour la team Benoît, décidément. Il y a du Benoît tout le temps partout, hein. C'est. Le mec. Ouais, je préférerais que ce soit Benoît Paire. Mais bon, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir été avec nous, en tout cas, sur cette émission. Ouais. Alors demain, je pars. Comment tu dis au revoir, j'adore. Merci d'avoir été avec nous. Oui, mais alors demain, je ne serai pas là. Pourquoi? Demain, je me repose un petit peu. Je dois dormir un petit peu, voilà. Donc demain, c'est Sofiane qui va reprendre les rênes de S'enfiler. On se retrouvera, nous, samedi. Qu'est-ce que c'est que ça, Sofiane? Pour parler de la finale. Qu'est-ce que c'est? Excellent, Sofiane. Vous allez passer un très bon moment. Il est bien. Excellent. Vous allez passer un très bon moment avec Sofiane demain. Il y aura la même team et Sofiane à la présentation. Merci à tous d'avoir été avec nous. 19h40, place au foot et reprise de Roustan vers le futur, justement avec Sofiane, Thomas et Didier Roustan. Ciao.